derrière des graines. Et quand ces graines vont tomber au sol, ben, on va avoir un églanté blanc et un églanté rose. On peut arriver à avoir un églanté jaune un jour. Tout simplement. Donc ça, c'est l'hybridation dite naturelle. Et ça, on a favorisé l'hybridation dans les voyages en rapprochant les plantes les unes des autres. Vous savez voir qu'en Chine, il y a 60 sur 140, 150 espèces de rosiers, donc sauvages. Il y en a 60, 70 en Chine. Il y en a un peu plus, enfin dans la région, disons, Extrême-Orient. Donc quand les voyages se sont faits, ah, tiens, j'ai trouvé un églantier de couleur jaune en Chine, ou j'ai trouvé un églantier de couleur plus forte que celle en Europe, ils ont amené, ils les ont mis les unes à côté des autres sans aller chercher plus loin. Or, il y a eu des hybridations naturelles qui se sont faites, et du coup, on a vu apparaître des nouvelles plantes. Mais c'était toujours des églantiers, qui est la première rose moderne. Là, on sort de la rose églantée, on est vraiment dans une rose moderne, on voit bien la différence. Et on voit bien que les pétales là sont beaucoup plus de pétales, beaucoup plus de valeur. Et c'est une rose aussi qui a la faculté de remonter. D'accord. Alors c'est pas des rosés hyper beaux parce qu'ils sont un peu anciens, ça veut pas dire qu'ils datent de l'époque. Hein. Mais seulement bon, il faudra. C'est aussi. Elles ont tellement été reproduites et tellement en bouture, etc., qu'elles perdent un petit peu leur caractère. Donc quand il a sorti ça, évidemment, ça changeait fondamentalement des roses quand même qui étaient beaucoup moins. Tout simplement, et l'unique raison que ces rosiers n'ont pas de nom, parce qu'elles n'ont pas encore été validées dans un concours. Ce sont des roses prototypes, tout simplement. Et là, on a environ à peu près 700 rosiers qui sont à l'étude.
dire, en tout, hein, mais je veux dire, il y a là-dedans, on va prendre un ou deux rosiers, etc. Donc, et actuellement, et c'est vendredi prochain, qui va être nommé une de ces roses, soit pour son parfum, soit pour sa beauté de la fleur, etc. On a la plus belle rose de France, par exemple, qui va être prise dans une de ces roses, je ne connais pas laquelle, celle qui a le meilleur parfum. Il y a à peu près 5-6 roses qui ont été dites. Alors, comment ça marche? Les obtenteurs donnent les rosiers, ils ont fabriqués chez eux, et ils les mettent là, et pendant 2 ans et demi, elles vont être étudiées. C'est-à-dire tous les jours, enfin tous les jours, pendant la période de végétation, il y a des gens qui vont venir voir, ils ont un cahier sur lequel ils consignent. Alors le numéro 147, voilà, couleur de la fleur, etc. Alors première année, c'est sûr que c'est moins joli, c'est la première année, la plantation, ça va pas être super beau. Alors on va noter la première année, tiens, la faculté. N'aime pas la terre riche, n'allez jamais cultiver des rosiers dans du terreau par exemple. Le rosier aime des terrains très aérés, caillouteux et argileux. Là, le rosier l'aime bien ça. C'est pour ça qu'à Lyon d'ailleurs, s'il y a une grande histoire de la rose, c'est qu'on a exactement ces terrains. Les terrains alluvionnaires qu'on a dans la Dombe, notamment au sud de Lyon et puis même certains endroits dans l'ouest de Lyon, il y a des alluvions, là, ils se sont même particulièrement adaptés à ce type de terrain. Ce qui a fait cette noblesse de la rose, c'est qu'il y a le climat et le terrain. Ouais. Des endroits, il y a le climat, il n'y a pas le terrain, il y a des fois le climat, ouais, le terrain, il n'y a pas le climat. Là, il y a les deux. Ouais. Robert, quand c'est rose, il les a mis dans le terrain. Oui, alors, mais je crois quand même que proportionnellement à la ville, je pense que nous on a un plus grand parc en 15 heures.